Bonjour à tous et bienvenue sur MCAS TV. J'espère que vous allez super bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon équipe et mon projet sur MyClub 2020. Allez, installe-toi et je t'en dis un tout petit peu plus après ça. Allez, je commence par vous présenter mon équipe, la MCAS Connexion, qui va être une équipe constituée essentiellement de jeunes joueurs à fort potentiel. Et cette équipe a été constituée aux enchères. Allez, on va commencer par le poste de gardien de but. Et on va donc en Angleterre, plus précisément à Leeds United. Et c'est Ilan Meslier qui sera mon gardien de but. Donc ce gardien doté d'un fort potentiel a tout pour devenir une référence à ce poste. On passe maintenant au poste de latéral droit et on va aller aux Pays-Bas et plus précisément à l'Ajax d'Amsterdam, donc spéciale dédicace à l'ami Skorem. Et c'est Serginho Dest qui va être recruté à ce poste. Donc c'est un jeune joueur américain que j'ai découvert à l'occasion du tour préliminaire de Champions League contre l'Apoel Nicosie. Et il m'a clairement impressionné, rapide, technique, très bon contre-attaquant. Il a toutes les qualités que je recherche, en plus de son très très fort potentiel. On passe maintenant au poste de défenseur central droit et on va aller en Grèce, à l'Olympiakos. Et c'est Papabou Cissé qui va assurer ce poste. Il est doté de capacités athlétiques et physiques au-dessus de la moyenne et il a tout pour rivaliser avec les futures cartes boost du mode MyClub. On passe maintenant au poste de défenseur central gauche et on va aller en Belgique au club du KRC Genk et c'est John Mukoubi qui va être recruté à ce poste. Alors c'est un jeune joueur colombien doté d'un fort potentiel, grosse capacité athlétique et grosse capacité de vitesse. On passe maintenant au poste de latéral gauche et on va aller en Argentine, plus précisément au club de San Lorenzo. Et c'est Elias Pereira qui va occuper ce poste. C'est un jeune joueur doté d'un très fort potentiel, très actif sur son côté et très bon contre-attaquant. On passe maintenant au milieu relayeur et on va tout d'abord aller en Italie et au Milan AC et c'est Ismaël Benacer, le champion d'Afrique, qui occupera l'un des deux postes. Alors lui, c'est mon coup de cœur de la CAN, joueur infatigable. Malgré sa petite taille, il a un très fort impact physique et c'est un super footballeur, très grosse vision du jeu. On va passer maintenant au deuxième poste de relayeur et on va aller en Espagne et au Celta Vigo. Et c'est Fran Beltran qui va accompagner Ismaël Benacer. Alors Fran Beltran, c'est vraiment le prototype du joueur espagnol à ce poste. Il a tout pour devenir le futur Xavi. On passe maintenant au poste de milieu gauche et on va aller en Première Ligue, dans le club de Southampton, et c'est Moussa Djenepo qui va assurer ce poste. Alors lui, c'est clairement mon deuxième coup de cœur de la CAN. Je l'ai vu casser des reins pendant la compétition. Rapide, technique et totalement imprévisible. C'est un joueur sur lequel je compte clairement m'appuyer. Allez, on passe maintenant au poste de milieu droit et on va encore une fois aller en Première Ligue dans mon club de cœur, Arsenal. Et c'est la jeune pépite Raïs Nelson qui va intégrer ce poste-là. C'est clairement l'une des pépites du club d'Arsenal. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous invite à suivre les aventures de la MCAS Connection parce que vous allez apprendre à le connaître. On passe maintenant aux attaquants et on va aller en Écosse et au club du Celtic Glasgow et c'est Hudson Edouard qui va assurer ce poste. Alors cet attaquant a un très fort potentiel, rapide, physique, bon finisseur, il a tout pour déstabiliser les défenses adverses.
Allez, on passe à la dernière recrue de la MCS Connection. Et on va aller en Belgique, dans le club de Saint-Truiden. Et c'est l'attaquant Alan Souza qui va former la paire avec Hudson Edouard. Alors là, on tient clairement l'une des pépites à ce poste. Il a un potentiel hallucinant. Regardez bien le nombre de techniques qu'il a. Pour un joueur boule blanche, c'est un excellent coup. Mes recruteurs ont très bien travaillé. Donc là maintenant, vous devez vous dire, mais MC, qu'est-ce que tu comptes faire de cette équipe? Et donc, c'est maintenant où je vous présente mon projet pour MyClub PES 2020. Eh bien les amis, la MCS Connection, en fait, ça va être mon centre de formation où je vais former un maximum de jeunes joueurs à fort potentiel. Dès qu'un joueur aura atteint le niveau 85, qui correspond au niveau Black Ball, il sera automatiquement drafté en équipe compétitive. Ce qui veut dire que progressivement, dans les compétitions auxquelles je vais participer, donc je pense notamment au Match Day, je pense notamment au final mensuel eFootball League, eh bien, il va y avoir des joueurs issus du centre de formation. Et mon but ultime, c'est de pouvoir jouer ces compétitions avec 100% de joueurs issus du centre de formation. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que quand il va y avoir des drafts, ben forcément, il va y avoir des places vacantes, donc des nouvelles recrues, des nouvelles pépites, un nouveau processus de formation et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je vous donne rendez-vous sur la chaîne parce qu'il va naturellement y avoir ben, plein de nouvelles séries qui vont être créées autour de ça. Donc des retours sur les compétitions auxquelles je vais participer, des drafts. Donc ça va être super intéressant de découvrir eh ben, les aventures de ces jeunes pépites. C'est pour ça que si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, abonne-toi parce qu'en plus des tutos, il va y avoir eh ben, un contenu assez intéressant, plus underground que la Secret Connection, plus gangsta que la Westside Connection. Je t'invite à suivre les aventures de la MCS Connection. Si tu aimes le beau jeu, eh ben, tu vas être servi, mon ami. Donc c'est pour ça, je t'invite à me follow sur Twitter, @MCSTV. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à diffuser et en parler autour de toi. Et puis ben, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Amuse-toi bien, marque plein de jolis buts. Et je te dis à très bientôt sur MCSTV. Ciao, mon ami.